Dans la série des présidents de la République française, Charles de Gaulle, président de la République du 8 janvier 1959 au 28 avril 1969. Charles de Gaulle est né le 22 novembre 1890. Il entre en 1908 à l'école militaire de Saint-Cyr. Il participe à la bataille de Verdun. En 1940, il s'oppose aux partisans de l'armistice, gagne Londres et lance son fameux appel du 18 juin. Le 28 septembre 1958, la nouvelle constitution, approuvée par référendum, met en place la Ve République. De Gaulle est élu président et prend ses fonctions en janvier 1959. Il est réélu le 19 décembre 1965. La France se modernise sous sa présidence. La guerre d'Algérie, la crise de mai 68 et la mise au point de l'arme nucléaire sont des événements majeurs de la transformation de la société. Face à la victoire du non au référendum de 69 sur la régionalisation, De Gaulle démissionne le 27 avril. Il décédera à Colombelles-les-Deux-Églises en 1970.